Bonjour les amis. Hi friend. You know that my passion is photography. And I will show you what I did recently in Mont-Tremblant. Tennis is the sport my wife like, and I did all this picture with a Nikon, and Nikon with 24-600 from Tamron. J'ai fait toutes ces photos au Nikon avec le 24-600. Alors vous voyez, donc je vais mettre les liens de toutes ces photos. Alors il y en a beaucoup, c'est répétitif parce que ça va en rafale. A lot too much picture, but I left all the picture I took. And first my wife, after it was a festival, le festival jazz. Même caméra, même objectif. Alors pareil, je mets les liens comme ça. I will put the link like this. You can verify the quality of this camera, and for me it's very good. Okay. I will put, this is the beach of Mont Tremblant, la plage de Mont Tremblant, et là aussi vous voyez la qualité des photos qui personnellement je trouve superbe. Straight from the camera, elles n'ont pas été retouchées, elles sont directes comme c'est sorti. Aucune transformation. Je n'ai pas, I don't have here the software for RAW files. Je n'ai pas le programme pour traiter les RAW. Bien sûr, si c'était pas du JPEG et si c'était du RAW, on verrait encore plus de détails, encore plus de piquets. Voilà. Là aussi, je vous mets les liens. Now, I will show you the ski station. The ski station. Voilà. La station de ski. Alors vous pouvez voir les pistes de ski. Ça manque un peu de neige. Et la station de Mont-Tremblant. Mont-Tremblant. Tree Town in Mont-Tremblant. Station. Village and city. La station, le village, le vieux village, et la ville elle-même. Espacées chacune à peu près de 5 km. Alors, vue du port, from the port, again, I will put the link. Waterfall in Mont-Tremblant. Same thing. When you are quand on y est, bien évidemment, l'effet, on se rend beaucoup mieux compte de la beauté des lieux. Le bruit aide. The sound is missing here.
And in the city, the station, sorry. No, it's not. Oh, this one is funny. It seemed like Jesus Christ. No? Alors, if it's Jesus Christ, look at that. Alors, si c'est Jésus-Christ, il serait né en 1917 et mort en 1974. J'avoue ne pas très bien comprendre et il n'y avait personne pour nous expliquer ce que c'est exactement. Voilà, ça, si c'était quelqu'un d'autre, ça devrait être quelqu'un d'autre. Mais là, bon, un peu bizarre. Mais ils sont un peu comme ça, les Canadiens. Il y avait, j'ai une autre photo que j'ai fait il y a quelque temps. Il y avait marqué nord vers en haut et sud par là. Alors, ils se sont rendus compte que, bien sûr, pour aller au sud, il fallait tourner par là. Mais ils se sont rendus compte que c'était un peu too much et donc ils ont retiré ce panneau. Voilà, de toute façon, je vous mets les liens de tout ça. Et alors là, on arrive effectivement à la station. Alors la station, vous voyez, donc en bas, on vous accueille. Voilà, vous avez un, ce qu'ils appellent un cabriolet, c'est un funiculaire qui vous amène du bas de la station en haut, ce qui nous évite de marcher. Les spécialités, Starbucks c'est pas vraiment une spécialité, mais il y a plein de spécialités, un peu les queues de castor, enfin, etc. La poutinerie et des choses comme ça. Il n'était pas très content le monsieur quand je l'ai photographié. Voilà, je continue, je vous mettrai tous ces liens. Et alors, quand là, même appareil, fait, elle me persécute, c'est bébête. Alors là, ce sont des photos que j'ai faites à Miami, je vous les montre pourquoi. Parce que c'est l'époque où les canards, les oies se reproduisent. Et donc, quand je suis parti de Floride, ça avait commencé, voilà la taille des poussins qu'il y avait en Floride. Ici, en rentrant, j'ai du mal à me garer. Pourquoi? Eh bien, parce que à l'endroit où je me parque, eh bien, c'est assez encombré. Voilà, des familles entières d'oies, c'est des oies perrache. Et ces oies, vous voyez, bon, là, elles ont un peu eu peur. Et ces oies habitent sur mon parking. Alors, voilà, je ne vous dis pas les, entre guillemets, dégâts. Vous voyez donc, les photos en série fait qu'il y en a énormément d'identiques. Donc, quand vous allez les regarder, il vaut mieux, chaque fois que vous voulez changer, il vaut mieux, vous voyez, vous allez en arrière. Et vous passez à celle que vous voulez voir. Voilà, j'ai pas fait de tri, j'ai rien fait, j'ai jeté, comme je vous l'ai dit, toutes les photos. All the pictures are here, I didn't did anything, I didn't do anything. I put all the pictures the way it comes from the camera, directly.
You see, this is my parking lot. And okay. Voilà, pour aujourd'hui, that's it. I will put all the links below. Thank you. Have a nice day. Have a nice night for the moment. Bye-bye.